va consacrer ce moment, c'est Jean-Pierre Briset qui nous en donne le prétexte, à examiner les rapports. Alors, j'ai choisi trois termes à coller, science, merveilleux et confiture, parce que d'abord je trouvais ça drôle, et ensuite parce que merveilleux et confiture sont des termes qui interviennent dans la bouche de Père Briset lorsqu'il s'adresse à l'un des chercheurs du CNRS avec lequel il avait correspondu, qui est José Argemi. Et José Argemi avait tellement aimé cette phrase que lui-même s'en était servi comme titre au texte qu'il avait rédigé en hommage à Jean-Pierre Briset. Donc, et pour discuter de la science du merveilleux et de la confiture, j'ai invité Jean-Gaël Barbara, qui est neurobiologiste et qui est également historien des sciences, et qui déjà, il y a 7 ans maintenant, avait commis un texte sur ma sollicitation, sur Père Briset. Et il a poursuivi ses recherches, il a fait de nouvelles découvertes, et je suis assez impatient, parce qu'on ne s'est pas revu depuis des années, et donc je suis assez impatient d'en savoir un peu plus. Et donc ces nouvelles découvertes et une étude plus approfondie de l'œuvre et de la vie de Père Briset vont lui permettre, d'ici quelques mois, on imagine, de faire paraître un livre qui lui sera entièrement consacré. Donc on est très, très heureux de cette nouvelle. Et ensuite, j'ai également demandé à Philippe Baudouin, et qui est un spécialiste, est-ce qu'on peut dire ça comme ça, spécialiste de l'occulte, des phénomènes occultes, qui s'est déjà beaucoup penché sur ces questions-là et sur un certain nombre de personnages, notamment, je pense, en disant ça, à Émile Tisané, qui était un gendarme qui faisait des enquêtes pendant quelques décennies, hein, pendant toute la fin de sa carrière, en fait, a enquêté sur les phénomènes occultes, et Philippe a fait paraître un ouvrage qui a un titre tout à fait évocateur, qui est Les forces de l'ordre de l'invisible. Forces de l'ordre invisible. Invisible, pardon, les forces de l'ordre invisible. Et vous pouvez trouver d'ailleurs, on en a mis quelques exemplaires sur le meuble de la librairie. Et c'est, en plus d'être un ouvrage très intéressant, c'est également un ouvrage qui est très beau, qui est très très bien fait, très bien réalisé aux éditions du Murmure. C'est ça ? Exactement. Voilà. Et à côté de ça, tu es également réalisateur à France Culture et auteur aussi d'ailleurs d'une préface d'un texte assez éclairant. C'est une autre personnalité qui, à un moment donné, la conversation va intervenir, et notamment le rapport à la fois des machines de service de la métaphysique, c'est Thomas Edison, et Philippe connaît très très bien et la vie et l'œuvre de Thomas Edison, et il va pouvoir nous en dire des mots, parce qu'il y a quand même quelques parallèles, même si ce sont des personnalités très différentes, mais il y a quand même quelques parallèles à tirer. Et enfin, mon troisième invité, c'est Éric Dusserre, qui est à la fois éditeur, auteur, critique, et qui est un puits de science en matière d'auteurs oubliés, de littérature injustement méprisée, dont l'histoire n'a pas retenu. On n'est pas sûr qu'ils soient injustement méprisés. Comment ? On n'est pas sûr qu'ils soient injustement méprisés. On n'est pas sûr qu'ils soient injustement méprisés, mais enfin méprisés en tout cas. Et Éric, à travers ses textes, ses anthologies et ses chroniques aussi sur son blog, qui s'appelle La Langue Blog, pour ceux que ça intéresse, un mot valise entre alambic et blog, n'est-ce pas ? Et peuvent découvrir un certain nombre de ces oubliés. Mais peut-être que je vais arrêter de palabrer et passer la parole à Jean-Gaël Barbara. Et la première question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce qui a changé dans ta perception de Jean-Pierre Briset, inventeur, entre le moment où tu l'as découvert à travers les archives de Payard, je pense, puis ma sollicitation à écrire un texte sur lui, donc à approfondir un petit peu, et les nombreuses études et ces années de recherche que tu as entreprises depuis. Merci. Tout d'abord, merci de me donner l'occasion de parler de ça, parce que c'est vrai que c'est un sujet, c'est mon sujet le plus important depuis quelques mois, puis ça va se prolonger encore jusqu'en peut-être mi-2019. Alors, c'est vrai que quand j'ai découvert les papiers de Jean-Pierre Briset dans les archives Payard, bon, j'ai
j'ai été assez surpris, étonné. Mais c'est-à-dire c'est... juste que Payard était aussi un chercheur aussi. Voilà, Payard était un neuroscientifique de Marseille, dont j'ai recueilli les papiers personnels par l'intermédiaire de son fils. Et grâce à toi, grâce à Christian, j'ai pu avoir accès à un certain nombre de documents biographiques et d'images, de fichiers d'images d'œuvres. Et donc j'ai pu réaliser une première enquête, mais assez un survol, disons, de son œuvre, replacée dans son contexte biographique. Et dans ce premier texte, j'avais essayé de comprendre les relations entre Père Drisé et le monde scientifique, le monde neuroscientifique, surtout des neurophysiologistes des années fin années 50, années 60, 70, les intérêts réciproques qu'ils pouvaient avoir à échanger. Et donc ça m'avait conduit à interpréter son œuvre de manière assez globale, à comprendre que c'était une œuvre qui était marquée par la neurophysiologie au départ, ça je vais y revenir après parce que j'ai redécouvert ça avec plus de précision, par la neurophysiologie, et ensuite par l'émergence de la cybernétique, et tout ça dans un contexte familial où le spiritualisme, les sciences occultes tenaient une place très importante, donc ça fait une sorte de mélange un peu surprenant. Mais Père Drisé a su lier tout ça dans sa métaphysique, dans sa création artistique, dans sa personnalité, et qui est marqué aussi par la maladie mentale, il faut le rappeler, puisque ses œuvres, à mon sens, rentrent dans le cadre de ce qu'on a appelé dans les années 50 l'art psychopathologique, dans les modes d'expression. Donc ces thèmes rentrent en compte dans l'analyse de ses œuvres, l'analyse des moyens mis en œuvre, mais bien sûr c'est que pour moi et pour les gens qui s'intéressent à l'art brut, c'est une toute petite composante de sa personnalité, de son œuvre, puisque c'est tellement foisonnant, ça va tellement dans toutes les directions, que pour nous c'est un créateur au sens noble du terme, et ses aspects psychopathologiques sont pratiquement des détails techniques d'analyse. Bon. Alors, qu'est-ce qui a changé entre 2012 et maintenant? Je dirais qu'il y a eu plusieurs axes d'études. Premièrement, j'ai été contacté par Bruno Decharme en 2013-2014, qui m'a montré des dessins de sa collection, et j'ai pu réaliser une première étude assez comparative entre Père Drisé et d'autres créateurs, disons, avec un intérêt pour la science. Et ces études comparatives m'ont beaucoup aidé pour définir ce que c'était que cette œuvre de Père Drisé, pour la replacer dans le contexte de l'art brut en général, pour essayer de voir tout ce qu'il y avait en commun avec d'autres créateurs, et puis, à contrario, pour essayer de voir tout ce qu'il y avait de singulier, puisque chaque créateur, bien sûr, est singulier, et Père Drisé est extrêmement singulier. Et ce qui est intéressant chez lui, c'est qu'on retrouve à peu près, je dirais, presque toutes les caractéristiques de tous les autres créateurs. Dans son œuvre, il y a tous les aspects, on pourrait dire, de l'art brut constitué dans un contexte scientifique. Bon, il n'y a pas tous les aspects de l'art brut de tous les créateurs, mais pour ceux qui incorporent leur science, on retrouve tout. Le travail sur les symboles, le travail sur les formules mathématiques, les formules chimiques, l'aspect création de langage, langage symbolique, la création de machines, les aspects spirites, on retrouve absolument tout. Donc c'est ça qui est très intéressant. Donc cette approche comparative m'a permis de mieux comprendre tout cela. Et puis, un deuxième aspect, ça a été de me replonger plus précisément dans la biographie de Père Drisé, d'essayer de comprendre la genèse de l'œuvre dans son contexte biographique, avec l'aide de son neveu, Bernard Autran. Et j'ai aussi deux étudiantes de M2 qui ont réalisé des travaux sur Père Drisé, aussi en faisant des interviews de personnes qui l'avaient côtoyé, etc. Donc ça c'est aussi un autre aspect. Et puis un troisième qui dérive de celui-ci, c'est une analyse que je mène en ce moment, c'est une analyse chronologique de l'œuvre à partir de 1936, donc ça rend un point, essayer de voir comment l'œuvre se construit à partir de 1936.
1936, quels sont les thèmes qui entrent en jeu les uns après les autres et comment ils s'amalgament les uns aux autres. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte que le premier dessin qu'on a, je pense, de Père Drisé, qui est daté de 1936, qui est aux Archives nationales, donc 36, on est avant sa crise psychotique qu'il a probablement eu d'après son neveu, suite à une maladie, une tuberculose osseuse, mais il a fait une crise à domicile dont personne ne parle, hein. Il n'y a que son neveu qui en parle puisqu'il n'a pas été diagnostiqué à cette époque, mais donc qui a eu cette crise a eu lieu entre 38 et 39, et déjà en 36 il s'intéressait à l'électroencéphalographie, à la neurophysiologie, qu'il a associé à son intérêt pour les sciences spirites. Donc déjà cette association là est caractéristique de sa personnalité, de son milieu familial. Donc à partir de là, j'ai essayé de reconstruire sa façon de créer tout ce qui s'est construit par la suite. Ensuite, c'est amalgamé un intérêt très prononcé pour les machines à calculer dans le contexte pré-cybernétique, puisqu'on est dans les années 40. Donc les machines à calculer type Koufignan, par exemple, en France, mais dans le monde entier, on construisait des machines à calculer. C'était des additionneuses, des soustracteuses. C'était des machines assez rudimentaires au début, qui dérivaient de la machine de Pascal, la Pascaline. Et ensuite, Père Drisé s'est intéressé à ça, et il a construit des machines de plus en plus sophistiquées, des machines qui multipliaient, qui divisaient, qui calculaient des intégrales de courbes. Et puis ensuite, il s'est intéressé à des machines qui pouvaient faire de la reconnaissance optique de courbes, de formules algébriques. Un thème très important, c'est la machine à lire. Alors la machine à lire, on peut s'imaginer que c'est quelque chose de très moderne pour les années 50, mais en fait, pas du tout. Puisqu'il y avait déjà des procédés de machines à lire pour les aveugles, c'est des machines qu'on voulait développer pour les aveugles, qui avaient été expérimentées dès la fin du 19e siècle. Donc le terme machine à lire pour aveugle, c'est quelque chose de très ancien. Et on utilisait les propriétés du sélénium pour réaliser ces machines à lire, qui est un composé qui est photosensible et qui génère un courant électrique, d'où l'utilisation du terme sélénite dans beaucoup des dessins, le robot sélénite. Voilà. Donc tout ça, si vous voulez, dans beaucoup d'aspects très modernes de Père Drisé, on retrouve des racines dans le fond culturel du 19e. Bon. Ça, c'est très intéressant, mais bien sûr, il pousse les choses plus loin, et parfois plus loin que les scientifiques de son temps, et c'est ça qui fait l'intérêt de son œuvre. Bon, je ne vais peut-être pas accaparer la parole, mais... Justement, quand tu dis qu'il pousse certains raisonnements plus loin, c'est-à-dire qu'il pousse un peu les curseurs, et j'évoque toujours, ceux qui me connaissent savent qu'ils m'ont déjà entendu citer plusieurs fois, j'évoque toujours la phrase d'Einstein que tu dois connaître, qui disait que la logique mène d'un point A à un point B, l'imagination mène partout. Bien sûr. Et là, en l'occurrence, on a l'impression qu'avec Père Drisé, il se l'appliquait. C'est-à-dire que, effectivement, tout à l'heure, quand on discutait avec Philippe, on était frappé par le fait, et c'est peut-être la petite différence qu'on peut faire, justement, on évoquait tout à l'heure Edison, la petite différence de personnalité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, même d'ailleurs, tu le dis aussi dans ton texte, Argénie ou Dax, qui étaient des chercheurs, mais qui avaient un intérêt pour le surréalisme, et qui s'adonnaient eux-mêmes à des jeux surréalistes, à des collages, des choses comme ça. Donc, mais ils savaient, entre guillemets, que c'était pour de faux. Tandis que, et tu le notes très bien, Père Drisé, il avait une foi absolue en ce qu'il faisait. Et ça me rappelle une conversation, une table ronde qu'on avait menée avec Christian Boltanski, où on essayait à un moment donné de définir qu'est-ce qui différenciait un artiste brut d'un autre, d'un artiste lambda. Et il avait eu cette jolie formule, il disait que l'impression que j'ai, c'est que un artiste, à un moment donné, c'est quelqu'un qui joue. Donc il met son chapeau de cow-boy, son chapeau, sur sa coiffe à plumes d'indien, etc., etc. Et quand sa mère l'appelle pour dîner, ben, il enlève tout ça et puis repasse à une vie normale. Tandis qu'un artiste brut, ben, non, il continue, c'est-à-dire qu'il va jamais s'interrompre, parce qu'en fait il n'y a pas de limite véritablement. Mais peut-être que Philippe, tu peux dire quelques mots
sur cet aspect-là, par exemple Ellison ou alors peut-être Tisané davantage. C'est toujours un peu périlleux de faire ce genre de parallèle, surtout que là on est dans des univers relativement différents, même si Tisané peut-être était d'une, oui, historiquement en tout cas, du contemporain de Père Brisé. Peut-être avant de répondre à ta question directement, sur cette idée qu'on évoquait au départ de transgression, effectivement, il y a un côté franc-tireur en fait chez Père Brisé qui est assez attachant, dans le sens où effectivement non seulement il y a une obsession pour la machine, une mise à disposition de la technique, de l'ingénierie au service de l'imaginaire en permanence, hein, c'est ça qui est, c'est cette impossibilité presque physique, charnelle, intellectuelle, bien évidemment, à arrêter en fait, à arrêter ce processus. Père Brisé est lui-même une machine, quelque part. C'est ça qui fait lui un personnage assez attachant, presque on pourrait dire un personnage de fiction. Hein. Il y a aussi ce mythe Père Brisé, quelque part, qu'on peut voir dans, bien évidemment dans ses dessins, dans ses plans qu'on a ici sous les yeux, mais aussi dans les rares photos qui sont reproduites dans le catalogue. Le fait même qu'il y ait cette rareté de la documentation à son sujet participe évidemment de tout le fantasme qu'on peut projeter dans cet inventeur dément, hein, au sens strict du terme, et de ces productions-là. Après, oui, sur cette difficulté à définir peut-être l'œuvre de Père Brisé, la poésie est certainement, et je pense qu'on sera d'accord en tout cas sur ce point-là, le vecteur qui va permettre d'avoir une lecture relativement claire et cohérente, paradoxalement, hein, sur cette œuvre-là. J'ai en fait, en préparant la table ronde, je suis retombé sur une des lettres que Rilke a rédigées en fait au début du XXe, où justement, lui, un des axes choisis pour définir le poète, c'est la question du courage. Et avec toutes les précautions qu'on peut prendre pour tenter justement eh bien, de circonscrire comme ça un peu le parcours de Père Brisé, c'est quelque chose qui m'est apparu vraiment de manière flagrante. Il y a effectivement une transgression, bien évidemment, une transgression des lois scientifiques chez Père Brisé, qui est en partie, je pense, inconsciente. Hein. Je pense. Il y a une transgression, effectivement, une volonté justement d'explorer un au-delà physique, un au-delà métaphysique, un au-delà de la science, et qui se fait dans le courage. Dans le courage aussi, qui est par exemple de s'adresser à de grandes institutions scientifiques ou parascientifiques pour tenter eh bien, de faire reconnaître son travail. Et c'est vrai que moi, j'ai ramené un petit extrait de Rilke pour justement essayer d'illustrer ça. En fait, voilà ce qu'écrit Rilke, on est en 1904, hein, alors il faut resituer un petit peu la chose. Il tente de répondre, il a été contacté en fait par un jeune militaire qui hésite justement entre une carrière militaire bien traditionnelle et puis celle de poète. Et voilà ce que dit Rilke, voilà la définition qu'il donne du poète. Voici ce qu'il écrit. Nous devons accepter notre existence aussi complètement qu'il est possible. Tout, même l'inconcevable, doit y devenir possible. Au fond, le seul courage qui nous est demandé est de faire face à l'étrange, au merveilleux, à l'inexplicable que nous rencontrons. Cette vie, que l'on appelle imaginaire, ce monde prétendu surnaturel, la mort, toutes ces choses, nous sont au fond consubstantielles. Mais elles ont été chassées de la vie par une défense quotidienne, au point que les sens qui auraient pu les saisir se sont atrophiés. La peur de l'inexplicable n'a pas seulement appauvri l'existence de l'individu, mais encore les rapports d'homme à homme. Elle les a soustraits au fleuve des possibilités infinies pour les abriter en quelques lieux sûrs de la rive. Ce n'est pas seulement à la paresse que les rapports d'homme à homme doivent être indiciblement monotones, de se reproduire sans nouveauté, c'est à l'appréhension par l'homme d'un nouveau dont il ne peut prévoir l'issue et qu'il ne sent pas de taille à affronter. Celui-là seulement qui s'attend à tout, c'est là ce sur quoi il faut insister, celui-là seulement qui s'attend à tout, qui n'exclut rien, pas même l'énigme, vivra les rapports d'homme comme de la vie,
et en même temps ira au bout de sa propre vie. Donc c'est ce jusqu'au boutisme, moi j'ai l'impression que je retrouve d'une certaine manière avec Pervisé, et peut-être la clé, en fait, une des clés de lecture possible serait celle de la poésie, en fait, du courage du poète, en fait. Et on pourra évidemment discuter de cette dimension inconsciente ou pas, c'est tout le mystère aussi de l'art brut, finalement, d'une certaine manière, et a fortiori de Pervisé. Mais voilà, moi ce qui m'intéresse chez lui, c'est bien évidemment cette quête permanente de déchiffrer l'invisible, avec toute la polysémie qu'il y a, avec toute la largesse possible qu'on peut conférer à ce terme de déchiffrement, déchiffrage, et tout le lien avec la cybernétique, mais pas que, parce qu'il y a évidemment toute une dimension kabbalistique qui participe justement de ce mystère-là, dans ses dessins, les symboles, les multiples réalités qu'il essaie qui fait qu'effleurer finalement, ouais, d'une certaine manière. Mais voilà, on pourra peut-être poursuivre là-dessus, mais voilà, cette tentative-là, qui moi me parle par rapport à deux personnages effectivement sur lesquels j'ai travaillé, et je terminerai juste peut-être cette intervention de cette manière-là, Edison, qu'on ne présente presque plus aujourd'hui, hein, inventeur de profession, c'est la manière dont se définissait à l'époque, à qui l'on doit à peu près 1090 brevets, c'est certainement dans l'histoire des brevets un record même, inégalé, à qui l'on doit aussi bien la chaise électrique, l'ampoule électrique, la poupée parlante, les guirlandes de Noël, et le phonographe qu'il a breveté, même si effectivement la conception revient à un Français, Charles Cros, il faut peut-être le rappeler, on le sait beaucoup moins, à la fin de sa vie, à partir des années 20, a commencé à divulguer dans la presse un curieux projet de nécrophone. Donc un appareil destiné à enregistrer la voix des morts, à l'amplifier. Il s'est d'ailleurs servi comme fondation, on va dire, conceptuelle, comme fondement conceptuel à cet appareil, bien au phonographe, qu'il avait lui-même à la fin du 19e breveté. Et l'idée était toute simple, c'était de capturer comme ça, dans ce qu'on appelait encore l'éther, des particules que lui considérait comme métaphysiques, qui étaient comme ça un peu en suspension, qui évidemment étaient des sortes de résidus d'âme humaine, et ces âmes de défunts, eh bien, un petit peu comme les paroles gelées de Rabelais, les donner à entendre et les amplifier avec ce mystérieux appareil. Donc évidemment, aucun prototype n'a survécu. Par contre, ce texte, Le Royaume de l'au-delà, que j'avais préfacé il y a quelques années, qui est un texte posthume en fait d'Edison, qui est un ensemble d'articles en réalité, revient sur cette mystérieuse machine, et peut-être la passerelle possible ou la connexion possible avec Pervisé serait bien évidemment la question de l'électricité, de l'ingénierie, mais aussi cette prise communication avec l'invisible. Voilà pour Edison. Pour ce qui est de Tisané, qui est beaucoup moins célèbre, donc officier de gendarmerie français bien évidemment, qui est né en 1901, mort en 1982, qui lui aussi a très modestement, contrairement à Pervisé, un petit peu agi dans le domaine de l'art brut, à qui on devait, je parle au passé parce qu'un seul document a subsisté, à qui l'on devait des dizaines et dizaines de collages, de timbres, une sorte d'énormes mosaïques. À ma connaissance, une seule de ces mosaïques-là a survécu. Elle fait partie d'une collection privée aujourd'hui. Mais à côté de ça, c'est surtout, comme on le disait au tout début de cette table ronde, Lapsus Tisané, lui, a enquêté pendant près de 50 ans sur des affaires de maisons hantées. La plupart du temps en civil, hein, à titre privé, mais a collecté ces histoires pour publier à peu près 7-8 bouquins sur la question. Jean Cocteau a été un de ses premiers lecteurs. Et puis il a eu la chance, peut-être Pervisé en rêvait, d'échanger avec quand même deux prix Nobel, Alexis Carrel en médecine, hein, ce génie noir de la médecine, et puis Maeterlinck en littérature. Donc il a eu cette chance-là de correspondre avec deux prix Nobel qui l'ont incité à publier. Et donc on trouve encore aujourd'hui ces bouquins sur les rayons de pas mal de bouquinistes, parce que la plupart sont épuisés, mais quand même, on les trouve encore. Et si vous vous intéressez un peu à ce genre de personnes, assez étrange, si vous prenez le temps, alors je vous dis tout de suite, c'est pas une grande plume, mais si vous prenez le temps de lire quelques lignes de ces bouquins, c'est une accumulation
Il y a aussi cette thésaurisation un peu dingue chez lui, une accumulation de procès-verbaux collectés aux quatre coins de la France sur des affaires de hantises, de poltergeist, d'esprits frappeurs et donc de maisons hantées entre à peu près 1930 et 1970. Donc c'est presque une enquête ethnologique sans lettres, en fait, de cette France rurale où, effectivement, la sorcellerie, l'envoûtement, la magie noire a complètement, établi ses territoires. Et lui, étant gendarme, il travaille dans cette ruralité française un peu oubliée aujourd'hui, et il observe des choses. Et il le fait avec la rigueur du gendarme. Et il le fait avec son savoir-faire, avec sa prise de notes, avec justement cette collecte de témoignages, ses photographies aussi. C'est pas un grand photographe, mais en tout cas, il prend quelques photos, et puis surtout, il fait prendre des photos à des camarades aux quatre coins de l'Hexagone. Et du coup, ça lui permet de documenter. Voilà. Parce qu'il y a toujours cette recherche de la preuve. Hein, c'est un spirit aussi, tisané. C'est un catholique, mais spirit. Alors, c'est un hérétique aussi, d'une certaine manière. Il a cette pratique-là de gendarme. Donc, vous voyez, on retrouve encore ce genre de croisement assez fécond dans ce type de démarche. Peut-être passer le micro à Eric. Qu'est-ce que tu vois dans l'œuvre de la poétique dont parlait Philippe à l'instant ? Je ne suis pas spirituel, je ne vois rien du tout. Non, en revanche, dans la poétique qui se déploie, et notamment le délire lexicographique. Oui, donc ce qui est clair, c'est que on parle de poésie, pour moi, elle est évidente. Il y a plusieurs poésies qui frappent dans cette œuvre. Il y a la poésie du projet, mais ça je reviendrai un petit peu après. Il y a la poésie graphique, quand on voit ces œuvres, voilà, je trouve ça tout simplement magnifique. Et puis il y a le texte qui se répand. Donc on en a parlé il n'y a pas si longtemps dans le temps de l'exposition précédente, hein, où on évoquait donc tous ces artistes poètes qui ont utilisé le langage pour des tas de raisons différentes et sur des modalités très différentes. En tout cas, chez Père Lisée, je voudrais quand même un point, c'est que non seulement c'est un poète, mais c'est aussi un fictionneur. C'est-à-dire qu'au-delà de la poésie, il fictionne gravement, quand même. C'est-à-dire que toute son obstination, sa recherche, la recherche de la preuve de Tisanet, pour Lisée, c'est la recherche d'une fiction. Au fond, je ne sais pas, je connais assez mal le personnage, mais je ne serais pas étonné que ce soit une espèce de Jules Verne raté, finalement. Il invente des solutions à des problèmes qu'on n'a pas encore. Ça, c'est assez fort. Oui. Et j'en parlais un petit peu après de cette histoire de problèmes qu'on n'a pas encore. Je viens de pas avoir moi. J'avais relevé dans le catalogue du musée de Lille, par exemple, le nom des pièces de Père Lisée, elles sont absolument magnifiques. Ce sont des pièces de poèmes La montagne des 31 lits d'amour. Je refais cette expérience pour cet appareil, mais cette fois sans air comprimé, mais avec de l'eau qui coule d'un robinet. Pour piloter l'âme, avion ponctiforme aiguille, c'est broder le fil de nos idées. Machine à lire à résistance liquide, machine à écrire avec l'au-delà, lunettes lisantes, machine à lire par spectre. Veuillez m'envoyer votre proposition pour prix Nobel. Soucoupe volante centrifuge, mieux wagon volant, tambour traçant, périphérique d'ordinateur, rétrofusée rotative, hélicoptère à moteur humain, c'est un peu plus banal, on est chez Leonard Vinci. Imagination du robot, courbe clotoïde, langue fée ou pictographie dactylographiée, la fameuse langue espéranto sidéral. Espéranto sidéral. L'espéranto sidéral, voilà. Turbinaire comprimé, bon, c'est presque. Hein, et pour mon deuxième, on voit à Stockholm. Il y en a une ici qui est dans la petite pièce à côté et dont je trouve le titre aussi magnifique, c'est la machine à photographier le passé. Ah, oui. On retrouve le château des Carpates de Jules Verne, finalement. Hein. Donc, je ne sais pas s'il a vu Jules Verne, mais en tout cas je l'ai intéressé de lire ça dans la suite de l'enquête.
parce que ça me paraît presque évident en réalité qu'il est dans une recherche de ce type-là. Il ne faut pas oublier un autre élément dont on n'a pas parlé du tout, c'est que au moment où il écrit tout ça, les années de guerre 14-18 ont fait progresser très nettement la technologie, la technique, la mécanique en particulier. Donc il est dans cette civilisation-là qui bidouille et qui fabrique, tout le monde fabrique son avion quasiment dans ces années-là. Et il est lui-même le contemporain de l'émergence de la science-fiction américaine, qui est la plus puissante, on va dire, après la science-fiction française, qui elle a fait, avec Jules Verne et quelques-uns, comme Léon Groc et Antoine Maury, etc., des avancées après les utopistes du XVIIIe siècle. Donc il est, lui, sur cette période bascule où les Américains et les Russes, c'est là où on va arriver au spirit, développent une science-fiction qui est absolument... très puissante, très forte, qui est plus uniquement de dans une perspective technologique ou sociale, mais souvent les deux en même temps. On est dans des espèces de dystopie, soit d'utopie un peu bizarroïdo-civilisationnelle. Et on n'est encore pas arrivé chez Kadic, mais on a quitté Lovecraft. Enfin, on est dans cet univers-là où la technique, elle est imparable parce qu'elle est nécessaire, elle est utile, elle est permanente. Et là, on voit bien que il joue sa carte dans un monde. Donc, il n'y a pas seulement du rêve non plus. Il y a aussi son intervention personnelle en tant qu'imaginatif. Et quand on voit ces planches, on n'est pas loin de voir le Codex Atlanticus de Léonard Vinci. Après tout, j'ai jamais essayé de fabriquer ce truc-là, mais peut-être que ça donnerait des résultats. Enfin, je n'y engagerai pas, je vais laisser ça à des mécaniciens plus fortiches. Mais en tout cas, voilà, il est, pour toutes ces raisons-là, il est assez singulier. Et pour en finir avec tout ça, moi je le rapproche aussi très naturellement d'un autre personnage que vous connaissez tous, c'est Gaston Chessac. C'est-à-dire que cette volonté épistolaire, elle n'est pas si courante que ça. Et chez ces deux personnages-là, elle est vraiment ravageuse. C'est-à-dire que travailler, écrire, c'est une chose. Le faire savoir et communiquer avec les autres, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Voilà. Déjà, ça va en brèche un peu le mythe de l'isolement de ses créateurs, parce que lui, il n'avait visiblement pas très envie de rester dans son coin avec ses projets, et en fait, ses projets, finalement, ne vivaient qu'à travers cet échange, parce que pour ceux qui ne le savent pas, en fait, l'écrasante majorité de ses plans et de ses projets étaient envoyés tels quels, simplement pliés, repliés sur eux-mêmes, avec un timbre et l'adresse écrite au dos à des chercheurs, au prix Nobel, au CNRS, à l'US Air Force, à la NASA, et j'en oublie certainement, le Centre national d'études spatiales, etc. etc. Et donc, il arrosait et les projets évoluaient parfois. C'est pour ça que je suis assez admiratif du travail sur lequel s'est engagé Jean Gaël, parce que essayer de faire une chronologie de ses dessins, c'est pas simple, parce qu'on sait. Alors ça, pour le coup, ça c'est pas mal, c'est que la poste, quand même, les timbres étant affranchis, on sait quand ils ont été envoyés, parfois même sont accompagnés de courriers qui eux-mêmes sont datés, ou de mots écrits au dos de ces plans. Mais on sait aussi que certains d'entre eux ont été faits sur de très longues périodes, voire ils utilisent des morceaux de Roneo qui datent des années 50, ils les réincorporent dans un document qu'il va lui adresser avec des commentaires nouveaux à un chercheur dans les années 70. Donc ça brouille un peu les pistes. Parfois on arrive à reconnaître une pièce ancienne, je pense que tu as dû en faire l'observation aussi, à la manière dont il écrit. C'est-à-dire qu'il avait une écriture beaucoup plus appliquée, beaucoup plus scolaire dans les œuvres anciennes.
Et ensuite, ça devient un peu plus débridé, puis il s'autorise un petit peu, effectivement, à écrire entre les lignes, etc. Mais j'ai bien aimé la formule d'Éric tout à l'heure, qui disait que, en fait, c'était des solutions à des problèmes qui ne sont pas encore posés. Mais en même temps, est-ce que c'est pas ça aussi d'être dans l'anticipation ? Parce que l'espéranto sidéral, finalement, c'est censé résoudre le problème futur que nous aurions à communiquer avec des entités extraterrestres. Donc, c'est quand même pas mal de s'y mettre dès maintenant, parce que sinon on serait pris à dépourvu le moment où tu vois. Puis je pense aussi le rapport à la science et notamment les innovations scientifiques. À un moment donné, je sais, Philippe, dans un texte récent, tu citais Walter Benjamin à ce sujet. Et là, pour le coup, on se pose quand même des questions, parce que Walter Benjamin avait l'air de penser, je ne connais plus la situation exacte, peut-être que tu t'en souviens, et avait l'air de dire que toute innovation technique induisait en fait une sorte de, comme par contrepoids, à une nécessité de revenir à de l'occulte, du spirituel, du surnaturel, etc., etc. Comme si c'était un équilibre nécessaire. Et en te lisant et en lisant cette citation de Walter Benjamin, je me suis dit, mais est-ce que cette époque elle a engendré la même chose ? Est-ce que c'est pas un peu tardif ? Parce que je me dis, quand même, les innovations scientifiques dont on est parfois témoin ou victime depuis quelques décennies, elles sont légion, je veux dire, à commencer par Internet. Est-ce que ça a provoqué la même chose ? Je vais laisser la parole à Philippe juste sur ce point-là et puis ensuite on revient sur le réel. Je crois que je serais bien incapable d'avoir un avis définitif sur ce qui concerne les nouvelles technologies. Quand je me rapprochais de Walter Benjamin, c'est effectivement à recontextualiser dans une époque bien singulière, qui est celle autour de 1900, sur laquelle il réfléchit énormément. Il dit effectivement, dans Expérience et pauvreté, qui est un texte de 1933, il dit « Chaque invention technique a toujours pour revers la reviviscence du yoga, le végétarisme, les sciences occultes, le spiritisme, etc. etc. » Et par là, en fait, c'est un constat finalement. Il se réfère à la photographie, hein. Il a écrit une petite histoire de la photographie au début des années 30, et il explique très bien que, en tout cas avec cet exemple de la photographie, ce que l'on perçoit dans les premières images, c'est ce halo en fait qui vient comme ça auréoler les visages, et qui s'explique techniquement, en tout cas physiquement, chimiquement, en raison d'une approximation en fait, d'une imperfection de l'image, mais qui quand même renvoie à ce domaine du surnaturel, du magique, voilà, de l'incantation, de ce halo, de cette aura. Hein, de ce qui n'a pas encore été mesuré. Ce qui n'est pas encore de l'ordre du tangible, mais vers lequel on pourrait aller, et voilà, et qui nous touche véritablement. C'est ce qui vient nous chercher. Il dit, hein, Benjamin dit ça très bien, il dit l'image a ce pouvoir de lever les yeux, hein, et de nous rendre le regard. Donc, quand il, lui, s'intéresse à cette dimension magique ou cette dimension occulte de l'aura, hein, ce terme que lui a énormément travaillé, il fait référence à cela. Après, la question de savoir si aujourd'hui, effectivement, au XXIe siècle, il y a encore cette dimension magique qui persiste avec les nouvelles technologies et peut-être un rapport qu'on pourrait avoir dans cette dimension-là, je ne sais pas. Il y a quand même un imaginaire qui persiste par rapport aux nouvelles technologies. Il y a un monde dans lequel effectivement on peut avoir accès à différents degrés avec l'image, avec Internet, avec les réseaux. Les réseaux, d'une certaine manière, les réseaux numériques ont pris la place des réseaux électriques sans forcément s'y substituer complètement. Donc cette chose qu'on avait, qu'on considérait un petit peu comme une sorte de métaphysique de l'électricité, a certainement une place aujourd'hui avec le numérique, avec les avatars, qui ne sont finalement comme notre mot qu'on pourrait coller sur celui de fantôme, de doppelganger ou de double. Ce sont des doubles numériques, des doubles électromagnétiques, appelez-les comme vous voudrez, mais effectivement des possibilités pour nos identités de se dédoubler. Donc après, tout dépend de la lecture et de l'interprétation que vous ferez de ce genre de choses. Mais peut-être il y a une filiation, une généalogie possible à retracer entre les fantômes du 19e, ceux du spiritisme notamment, et ceux que pourraient peut-être laisser se propager ou pulluler les réseaux numériques d'aujourd'hui.
Jean-Gaël, tu avais envie de réagir à ce qui s'était dit. Oui, par rapport à ça, c'est vrai que ça me fait penser à certaines choses. Alors, c'est vrai que si on compare certains créateurs d'art brut, notamment Delchaux, enfin du 19e, qui était fasciné par les montgolfières, les avions, et puis Spooner, qui est un avocat qui a construit aussi beaucoup de machines. Bon. Si on analyse ça, on peut dire que, et chez Perdrisé, donc chez ces trois, leur œuvre démarre d'une fascination pour la technique, mais on pourrait dire que c'est une fascination qui est teintée d'une certaine angoisse qu'on retrouve dans la société à cette époque pour cette toute nouvelle technologie. Par exemple, pour Spooner, j'ai trouvé un texte qui disait que certaines personnes pensaient que l'automobile, la vitesse des automobiles allait être complètement néfaste pour la santé des gens, que tout le monde allait mourir si tout le monde se mettait à conduire des automobiles. Voilà, comme pour le train. Alors, donc il y a à la fois une fascination, une grande angoisse dans la société, comme encore aujourd'hui pour l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de gens angoissés par ça. Et donc ça crée chez ces créateurs un mouvement qui peut s'interpréter d'un point de vue psychiatrique ou psychanalytique, ce qui est d'inverser cette angoisse pour se l'approprier et pour la rendre créatrice d'autre chose. Et donc là on rentre dans l'utopie, dans les mythologies individuelles, et donc on peut interpréter ça un petit peu comme ça, et dans ces créations il y a l'occulte qui revient, puisque finalement la façon de combattre l'angoisse qui pourrait survenir avec des paramètres logiques, des craintes logiques, la réaction inverse est totalement, veut totalement se libérer de toute contrainte, et donc peut virer dans l'absence de logique ou l'irrationnel, etc. Donc on peut interpréter ça un petit peu comme ça. Et pour ce qui est de l'heure actuelle, c'est vrai qu'on pourrait dire que s'il y a moins peut-être cette réintroduction de l'occulte, du magique dans les technologies actuelles, c'est peut-être parce que finalement les sociétés ont moins peur des technologies qui apparaissent, des nouvelles technologies, quand un nouveau smartphone apparaît, les gens ne sont pas angoissés, au contraire. Mais pour autant, je pense qu'au sujet de l'intelligence artificielle, on retrouve les mêmes craintes que dans les années 40-50, la peur que des décisions soient prises dans des logiciels, etc., qui sont des craintes qui sont en partie justifiées, mais qui ne sont pas des craintes de scientifiques, puisque pour un scientifique, l'intelligence artificielle ne sera toujours que créée dans des contextes précis pour réaliser des tâches précises, etc. Mais on peut très bien imaginer des créateurs à l'heure actuelle qui vont fantasmer sur l'intelligence artificielle. Puis, dans les autres thèmes récurrents, il y a notamment dans ton texte, tu parlais aussi de la question fondamentale qui devait probablement agiter Perdrisé, qui est l'abolition de la mort. Tu cites même, ça m'a fait plaisir, parce que ça, j'ai beaucoup d'intérêt pour cette période de l'histoire, tu citais Gilgamesh. Oui, bien sûr. Oui. Alors, c'est vrai que Perdrisé est fasciné par la mort, par la communication avec les morts. Alors, quand j'avais, pour le premier texte, j'avais fait une interprétation un petit peu erronée, parce que c'est vrai que dans la biographie de Perdrisé, il a été très très marqué par la mort de son père, voilà, qu'il a tenté de réanimer pendant toute une nuit. Et je pensais que ça avait été un épisode crucial dans sa création. Mais Bernard Autran, son neveu, m'a dit à juste titre que ça s'était intervenu dans les années 60, et donc que l'œuvre était déjà presque, enfin, tous les thèmes de l'œuvre étaient déjà apparus dans ses dessins. Donc en fait, on peut rattacher cet intérêt, en fait, dès son intérêt des années 30 pour l'électroencéphalographie, c'est l'idée que l'âme peut être enregistrée avec des signaux électriques, que l'âme le support de l'âme peut être des signaux électriques, et donc à partir de là, c'est une œuvre qui se construit. C'est là que je rejoins ce terme de fiction, puisque en fait, Perdrisé se raconte une histoire à travers ses dessins, construit son histoire, et ses dessins, on pourrait même dire que ses dessins, ces bouts de dessins qu'il photocopie, qu'il recolle, c'est son alphabet fictionnel. C'est comme ça qu'il se construit. Et d'ailleurs, pour comprendre son histoire, il faut absolument voir tous les dessins. Et dans sa fiction, bien sûr, moi j'avais
disons, trouver cette expression pour résumer son œuvre, c'est une utopie cybernétique de communication avec les morts, et c'est le thème finalement qui unit toute son œuvre. Donc c'est vrai que la communication avec les morts est très importante, et c'est vrai qu'à la mort de son père, donc je crois en 63 ou quelque chose comme ça, ce thème a repris une certaine recrudescence, puisque selon son neveu, il voulait absolument avoir un dernier dialogue avec son père, et c'est à cette époque qu'il s'est remis, je pense, à construire des machines spirites, qu'il a fait des séances publiques avec ses voisins de spiritisme. Donc il a mis en pratique toute son œuvre, et ça c'est un aspect, je pense, qui est important, c'est que son œuvre de création, elle se passe dans les années, fin années 30, années 40, années 50. Il se construit donc sa mythologie personnelle, mais elle devient pour lui un outil dans les années 60-70. Et c'est là qu'il reprend tous ses dessins, qu'il les réannote tous et qu'il les envoie. Parce qu'en fait, il est persuadé que son œuvre, à ce moment-là, est utile, puisqu'elle est utile pour lui, pour vivre, et elle est utile pour l'humanité, et ça c'est un trait typique des créateurs d'art brut. L'idée de qu'ils sont arrivés à surmonter quelque chose pour eux-mêmes, et l'idée de, en fait, c'est pas tellement une communication qu'ils recherchent, c'est qu'ils veulent sauver le monde. Parce que Père Drisé ne communiquait pas, en fait, d'après les gens qui l'ont rencontré, il était incapable d'écouter. Il pouvait parler à autrui, il pouvait entrer en communication pour parler, mais il n'écoutait pas ce qu'on lui disait. C'est ce que Jimmy souligne, voilà. Il disait que leur conversation était souvent assez stérile. Voilà, c'est ça. Je veux dire, à la fois, Jimmy était fasciné, donc ce chercheur du CNRS était fasciné par la personnalité, par l'imaginaire de Père Drisé, et en même temps, il n'avait pas le sentiment qu'il puisse y avoir un véritable échange. Voilà, tout à fait. Et en plus, on a un texte très intéressant de 1950 qui a été écrit par deux psychiatres de Marseille qui avaient côtoyé Père Drisé à la fin des années 40, un compte-rendu de 4 ou 5 pages où il parle aussi dans le détail du contexte familial, des difficultés de communication. Mais ces difficultés de communication et cet isolement psychologique, c'est aussi un trait caractéristique des créateurs d'art. Je vais rebondir là-dessus, parce que... En fait, c'est aussi un trait caractéristique de ce qu'on appelle les hétéroclites, hein, c'est-à-dire les prix littéraires. Raymond Queneau a fait assez beaucoup de grands cas, et André Clavier derrière lui. Et parmi ces hétéroclites, qu'on appelle généralement fous littéraires pour se simplifier la vie, mais quand ils sont scientifiques comme Père Drisé, c'est un petit peu compliqué, on ne peut pas les appeler des fous littéraires scientifiques, quand on parle d'hétéroclites scientifiques. Et ce qu'il y a d'assez particulier chez lui, c'est qu'il rentre pas dans une catégorie non plus très, très, très stable. J'avais relevé dans le Clavier justement des catégories, parce qu'il fallait classer tout ça un petit peu. Et parmi les catégories établies par Clavier, on a les cosmogones, les philosophes de la nature, les prophètes visionnaires et messies, d'ailleurs on n'est pas dans cette catégorie non plus, les cadrateurs du cercle, c'est pas ça non plus, les astronomes et les météorologistes, les persécuteurs et faiseurs d'histoire, les savants, médecins et hygiénistes, là on est plutôt du côté du corps humain, les inventeurs et bricoleurs, là, il serait peut-être dans cette catégorie, on se rapproche mais pas complètement, je pense, les candidats, les philanthropes, les sociologues et les casse-pieds, non, ça sort peut-être que certains de ces correspondants, je sais pas, et les romanciers et poètes qui n'ont jamais démérité. Et il a justement lui aussi ce côté, il n'a jamais démérité, c'est-à-dire que son œuvre, elle va servir, c'est évident, il n'a absolument aucun doute là-dessus. Elle est destinée à sauver le genre humain, ou en tout cas à apporter des bienfaits qui sont extrêmement importants. Donc il est un artiste brut très brut, il n'y a pas de souci, mais il est aussi de cette catégorie des hétéroclites. Et la seule différence qu'il aura peut-être avec ce qu'on appelle un fou littéraire, avec un hétéroclite, tel que Charles Nodier, Lavier ou Queneau, les ont définis, c'est qu'il ne s'est pas autopublié lui-même. C'est-à-dire un petit peu. Il a fait il vendait ses dessins dans une librairie.
Oh. Il était très fier de... D'accord, mais il vendait des Unica. Il n'a pas utilisé de presse. Il n'a pas fait d'édition à compte d'auteur. Non, ça, il ne voulait pas. Mais il vendait des pièces détachées, des dessins dans sa dans une librairie. L'hétéroclite, justement, se définit par ça, par son espèce d'enfermement autistique, le fait qu'il ne communique pas avec l'extérieur. Et souvent, certains d'entre eux ont des natures de pamphlétaires extrêmement vifs. Et ils sont persécutés aussi, c'est-à-dire que personne ne les reconnaît. Or, on n'a pas ce sentiment chez lui, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression que le fait que ces solutions techniques ne soient pas adaptées et mises en service immédiatement lui pose un problème non plus colossal. Donc il a cette particularité qui le place à part chez les hétéroclites. Et pour revenir sur ce que vous disiez sur le fait que qui voulait parler aux morts, je parlais tout à l'heure de la science-fiction russe, qu'on connaît assez peu, qui correspond à la grande conquête de l'espace soviétique, qui a eu lieu en même temps que celle des Américains, et sans doute même un petit peu, elle a commencé un petit peu plus tôt. Et il y avait chez les Russes, je vous conseillerais de retrouver un article de la revue Europe par Jean-Baptiste Barra qui en parle de manière assez lumineuse. Il y avait chez les scientifiques russes et dans ce programme spatial russe une donnée métapsychique, métaphysique considérable et qui se retrouve dans l'état de code, dans l'état d'éléments. D'éléments plus ou moins cryptés pour des gens qui n'utilisent pas le cyrillique. Et en fait, le but profond du comité central de Staline et des scientifiques, c'était de trouver, d'atteindre la Jérusalem céleste. C'est-à-dire non seulement communiquer avec les morts, mais les ressusciter et vivre enfin cette utopie collectiviste totale. Voilà. D'où justement cette espèce de l'intérêt de cet alphabet et les points qui me paraissent avec les sélénites, ça me paraît très clair. Les sélénites, on les retrouve dès les utopies du 18e siècle, hein. C'est quand même une constante du voyage lointain et impossible. Enfin, bientôt possible, mais pas encore. Et chez lui, il y a tout ça aussi, et cette espèce de dimension. Alors, je ne crois pas qu'il utilise le terme de Jérusalem céleste, lui, non. Mais on sent que ce désir perce, enfin, sous-jacent. Je vais juste ajuster un petit détail. Pour lui, c'est un peu plus compliqué parce que dans sa théorie, dans sa fiction, l'âme des morts gravite autour de la Terre quelques semaines pendant lesquelles on peut avoir un dialogue avec eux et puis ensuite les âmes quittent l'univers proche de la Terre et ensuite on ne peut plus communiquer avec eux. Donc voilà, c'est un peu une subtilité super drôle. J'avais raté ça. Ouais. Et ils ont déjà des problèmes de vue. Ils ont déjà des problèmes de vue parce qu'ils sont presbytes, comme on l'a vu dans sa vie. Donc ce qui explique que dans certains dessins, ils nous montrent donc à quelle taille il faut communiquer avec eux. Donc ils règlent des problèmes quand même techniques, aigus, et tout ce qui peut faciliter la communication. Et justement, tu parlais là des soviétiques et de cette fiction communiste cybernétique, mais j'ai le sentiment, et c'est peut-être, alors ça m'intéresserait de savoir comment toi tu le perçois, l'évolution du nom, la langue T, l'espéranto sidéral, le machinois, qui sont les différentes phases en fait d'une langue qui est la même. Et donc ça, j'ai l'impression que le nom nous donne un indice sur ce qu'il attendait de cette langue. Parce que quand on appelle ça le machinois, on s'attend quand même à ce que ce soit parlé par autre chose que les humains. Et donc, en fait, c'est peut-être au moins, il y a eu une sorte de glissement dans l'intention. Peut-être qu'au départ, il voulait effectivement imaginer une langue, effectivement, dérivée de la communication avec les morts. On arrive avec la communication avec des instances qui nous dépassent, extraterrestres, etc., etc., puisque tu viens de l'écrire, les esprits sont extraterrestres pendant quelques semaines, et ensuite, c'est pas bon, ils partent vers d'autres horizons, des galaxies, on sait rien. Et ensuite, il y a un glissement progressif, ou peut-être il a imaginé que cette langue pouvait parler tout simplement par les robots, les machines, et donc que l'homme était devenu
s'applique. Oui, oui, tout à fait. Quand on regarde là, vraiment la chronologie précise de ces dessins, on se rend compte que dès certains dessins des années 40, il essaye d'inventer des alphabets ou des lexiques de mots, mais pas avec la forme des lettres comme il l'a fait pour la langue T, mais avec des formules algébriques ou bien avec des circuits électroniques. Et là, je crois qu'il y a un des dessins qui est nouveau, qui est intéressant, qui dit que le code de la route est déjà un langage. Donc il se justifie comme ça en disant qu'il faut créer un nouveau langage basé sur alors il a beaucoup modulé, donc l'algèbre, les circuits électroniques, et puis c'est petit à petit, en fait il a tout essayé, hein, parce qu'il a essayé l'alphabet, donc latin, mais aussi l'alphabet grec, le langage chimique, bon. Et ça c'est vrai que c'est aussi typique des créateurs d'art brut, mais c'est vrai que quand il l'a fait à partir de l'algèbre, l'idée c'était de créer un nouveau langage basé sur une logique mathématique au départ, et c'était de créer un langage de machine, je pense, le point de départ. Et là, il y a des choses très intéressantes aussi dans les dessins, dans les nouveaux dessins. Dans celui-ci, il y a une formule algébrique qui est collée sur un bout d'aluminium, puisque c'est, selon lui, le procédé qu'il faut utiliser pour que le robot puisse avoir une reconnaissance optique de la formule algébrique. Donc là aussi, on est dans un mode un langage machine, on pourrait dire. Ou l'esprit, d'ailleurs. Comme le robot ou l'esprit. Oui, le robot, oui, bien sûr. C'est... Mais donc il y a je pense que ça a démarré avec la volonté de créer une machine, un robot capable de lire et de communiquer. Et puis ensuite, il l'a appliqué plus dans son contexte spirit à la communication avec les gens. Je voulais juste peut-être ajouter un petit élément, deux petits éléments qui me paraissent importants par rapport à Perthésier, en tout cas la manière dont moi j'ai perçu ça. Il y a quelque chose qui m'a frappé, et qui est en lien avec le gendarme tisanais sur lequel j'ai beaucoup travaillé, c'est cette omniprésence en fait du tampon, de l'oblitération. Il y a quelque chose qui renvoie vraiment à la dimension extrêmement vaste de l'enfance en fait, je trouve, chez Perthésier. Alors de prime abord, avec évidemment cet aspect extrêmement ludique qui est présent, je trouve, dans ces images, dans ces plans, dans ces dessins, mais aussi quand on connaît un petit peu plus sa vie, la relation qu'il entretient avec son père, avec sa mère, et cette idée de paternité artistique ou c'est difficile peut-être de choisir des termes comme ça, mais cette idée de propriété, de paternité qu'il vient jusqu'à inscrire comme ça avec son nom, son adresse, il y a son adresse, hein, je crois, dans ce tampon là, et ça fonctionne. Sans fonction, voilà, c'est l'idée de dire effectivement ça m'appartient, c'est ma démarche, c'est mon intention, voilà ma marque de fabrique. C'est exactement la même manière qu'avait choisi, c'est certainement pas les seuls, Tisanet, le gendarme Tisanet, qui numérotait chacune de ses feuilles, il y en a des milliers, hein, dans ses archives, et il disait de cette certaine manière, voilà, j'ai eu ce courage-là, voilà ce que je propose aux chercheurs qui auront peut-être le courage de prendre en considération mes travaux, mais voilà, c'est ma signature, c'est ma propriété, et d'une certaine manière, je la signe comme ça. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans le catalogue, il y a un texte de Manuel Anceau qui parle de registre des naissances. Hein, il y a une enfance des machines qui, moi, m'a tout de suite parlé, parce que oui, il y a quelque chose de cet ordre de l'enfantement, presque, métaphysique. Je pense qu'il y a un autre élément là-dedans. Je pense que ce qu'on voit très nettement aussi chez lui et chez Tisanet, c'est le souci de la rambarde administrative. C'est-à-dire que le classement vient empêcher l'idée d'aller trop loin. Ouais. C'est-à-dire qu'on se raccroche, et comme par hasard, justement au tampon, à la signature, à la bureaucratie. À la bureaucratie, comme. Alors, ça nous ramène au soviétique, c'est drôle. Ça nous ramène à quelque chose de très
codifiant. Et de. Voilà. C'est rassurant. C'est rassurant. Et les créateurs posent eux-mêmes leurs idées. On trouve ça aussi très souvent chez les flux littéraires, les hétéroclites, qui surajoutent des titres, des marques. Des marques, des tampons aussi, des choses qui sont là pour authentifier aussi la valeur de leur esprit. Donc il y a les deux aspects. Et ce que je veux aussi signaler, si je retrouve mon nom. En faisant quelques recherches, je me suis aperçu que... T'as des fiches, ça rassure. Oui, quand même, tu vois. Je me suis aperçu qu'en 39, si je ne me trompe pas, il était délégué à l'école technique des apprentis. Est-ce que c'est le même Jean-Pierre Brisset? Et il était justement à la commission d'école de dessin. Donc tout ça à vérifier, hein, c'est dans le... Mais c'est du côté de Mulhouse, donc je ne suis pas sûr que ça soit vraiment le même. Ça peut être un homonyme. Ça peut être un homonyme, en tout cas c'est à vérifier, mais ce qu'il y a chez lui, c'est enfin, très important ça, et ce qui est important, c'est la maîtrise du dessin chez l'ingénieur, en fait. Et chez lui, il y a aussi ça, c'est-à-dire que au-delà du projet... De précision. De l'idée. Il y a la précision, et ses dessins sont remarquables pour ça. Je pense que alors, ça en ajoute beaucoup, je pense, à la beauté de ces pièces, parce que comme les dessins d'architectes, les dessins d'ingénieurs sont souvent assez fascinants de précision. Et je pense que la signature, c'est aussi ça, c'est-à-dire la reconnaissance d'un métier. Bon. Ouais, il y a ce désir de reconnaissance institutionnelle, cette soif comme ça de publiquement être, comment dire, adoubé ou voilà, reconnu en tout cas par les grands de ce monde. Tizanet a fait de la même manière. Il ne cessait d'écrire à des représentants d'institutions publiques ou privées pour tenter de faire reconnaître la validité de ses observations, à commencer par la hiérarchie de la gendarmerie. Alors, en 1937, il a rédigé tout un rapport pour dire effectivement il y avait tout à fait matière à former ses camarades pour enquêter sur des affaires de maison hantée. Ce qui sur Père Brisset d'intéressant dans l'idée de cette tentative de communiquer avec les morts, à commencer peut-être par l'âme de son père disparu. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'effectivement la machine va être ce médium dans tous les sens du terme, hein. Cette possibilité de communiquer avec un autre degré de réalité, c'est ce qu'il projette, je pense, dans la machine. Et pour revenir à Edison, c'était exactement la même chose. Edison était persuadé que l'électricité était non seulement ce qui reliait les vivants, mais ce qui reliait également les vivants et les morts. Et il y a toute une histoire qu'on pourrait faire de ce qu'on a appelé les pactes post-mortem, histoire dans laquelle Edison s'est retrouvé, et peut-être Père Brisset a voulu d'une certaine manière participer à cette histoire. Edison avait fait une promesse à l'un de ses associés, un certain Walter Dinwiddie. Il lui avait dit effectivement, si l'un de nous deux vient à mourir, peut-être ma machine nécrophonique permettra de se faire signe et du coup d'attester effectivement l'authenticité d'un au-delà. Donc la machine, encore une fois, elle est aussi chez Père Brisset, avec le Ouija électrique, la machine à écrire avec l'au-delà, elle est ce qui permet justement cette communication. Il y a à travers l'imaginaire, à travers l'inventivité propre à Père Brisset, il y a cette transparence globale, absolue, qui est une utopie. Hein, on y revient, on en parlait dès le début de cette table ronde, une utopie qui est à l'œuvre et qui est de manière tangible et matérielle tout à fait réalisable et envisageable. Même si je me demande si peut-être que toi tu as découvert d'autres indices, j'ai été frappé avec certains dessins de la toute fin, de la dernière période, que justement sur son cachet, il barrait le terme d'inventeur. Et je me suis beaucoup posé de questions à ce sujet, je me suis demandé est-ce qu'in fine, il n'aurait pas terminé désabusé, ce que je ne lui souhaite pas, j'espère qu'il y ait cru jusqu'au bout, mais parce que ça serait une fin un peu triste, quoi, parce que ça veut dire qu'il en aurait souffert. Mais c'est très étrange, parce qu'il continuait à la fois à renvoyer ses trucs, mais inventeur, c'était trop. D'une manière ou d'une autre. On ne sait pas exactement pourquoi, mais c'est devenu quelque chose. Comment tu vois ça, toi ? En fait, c'est vrai que c'est. Je pense qu'il avait une personnalité très, très complexe. J'ai trouvé une phrase qui m'a beaucoup surpris, où il disait « Un Américain a fait cette découverte,
Ce n'est pas de moi, donc c'est vrai. Oui, c'est fabuleux ça. Ça c'est extraordinaire. Donc, Père Drizet était quelqu'un d'extrêmement intelligent. Donc je pense qu'il pouvait avoir des moments de lucidité. Et dans la maladie, là on sait que le degré de conscience altérée. Voilà. Donc je pense qu'il avait par moment une certaine lucidité sur sa valeur réelle, mais que c'était, à mon avis, était assez épisodique et ça ne l'a pas empêché de faire toute son œuvre, comme on le voit. Je pense que s'il barrait peut-être le mot inventeur à la fin, moi j'aurais une interprétation, je ne sais pas si c'est la bonne, mais dans les dessins des années 40, 50, même 60, il est tellement investi dans la création, notamment de machines à calculer, où il va revendiquer ses inventions. Je pense que dans les années, fin années 60, 70, il ne fait que présenter ses inventions d'avant. Et je pense qu'il ne se considère plus inventeur parce que il est plutôt dans la mise au point technique. Alors il construit encore des prototypes dans les années 70, il continue, mais je pense qu'il est plus dans la communication, dans la publicité de ses travaux. Et par contre, dans ses dessins des années 40-50, il y a non seulement il se qualifie non seulement d'inventeur, mais son tampon n'existe pas encore, il le rajoute. Et quand il est spécialement fier d'une machine, il va écrire à la main, Père Drizet l'a fait, il va vraiment insister sur, ou bien cette machine a été construite, il va faire tout un petit discours pour montrer qu'il est très 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 fier. Donc voilà, donc son statut d'inventeur, je pense qu'il est un peu modulable, mais qu'il se considérait vraiment comme un inventeur toute sa vie. Quelle tristesse d'ailleurs que les machines soient pas réduites jusqu'à nous. Oui, bien sûr. Alors il y a une petite vidéo sur internet où on voit son voisin qui ouvre le fameux coffre. Le coffre. Oui, effectivement. Donc je pense que ces machines, ça aurait été très très décevant de les. Enfin, d'avoir une machine. Puis de toute façon, il avait besoin de y réutiliser son matériel. Donc, décevant à quel point de vue ? C'est le scientifique qui parle. Non, oui, bien sûr. Parce que non, mais décevant sur l'état de conservation déjà. Voilà. Parce que bien sûr, si on avait conservé une machine intacte telle que lui l'avait construite à un certain moment, ce serait une pièce de musée, enfin une pièce très très intéressante. Mais comme il détruisait, il reconstruisait. Bon. Et d'ailleurs, il disait lui-même dans ses correspondances, il disait, bon, moi je l'ai fait mal. Voilà, c'est-à-dire ce que tu appelles effectivement, c'est du bricolage. Voilà, oui. Je l'ai fait mal. Et je fais un beau dessin. Oui. Je vous envoie, je fais un beau dessin. Oui. Et vous, les scientifiques, les personnes qualifiées, sachant les faire, réaliser, faites le mieux. Ouais. Et c'est vrai que nous, on a des dessins, la majorité des dessins datent des années 40, 50, 60, les dessins après sont repris dans les années 70, mais d'après le texte des deux psychiatres de 1950, ils font état de dessins de 10 mètres de long, datant des années 40, qui ont été perdus. Et de machines. Donc je pense que quand il était beaucoup plus jeune, dans les années 40, il avait une trentaine d'années, je pense qu'il réalisait des œuvres beaucoup plus impressionnantes qui ont malheureusement été perdues. Hélas. Enfin, on a de beaux restes quand même. Bien, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre patience et de votre résistance climatique. Et nos intervenants, de ce qu'ils nous ont appris. Merci beaucoup. Merci.